Là, je fais un stage pour découvrir la musique. Mais je connais beaucoup la nature. Vous voyez cette grande plaque? Imaginez que ça représente toute l'énergie du soleil qui arrive sur Terre. Oh là là, ça bronze. Et vous voyez ça, la différence de taille? Ben ça, c'est l'énergie que l'on consomme sur toute la planète. Je m'appelle Régine, je suis paysanne, je fais l'élevage des moutons à la ferme. Et la ferme est en agriculture biologique, ce qui fait que vous allez manger que des aliments bio. Voilà, c'est bien, vas-y Joseph, passe, c'est bien Joseph, vas-y. Oh, regardez là-bas, on voit la centrale nucléaire en bas là. Un gros bloc là. Non, là, tout au fond là, c'est une grosse maison. Comme une grosse maison, ouais. Elle a failli exploser en 99. Ouais. ある海辺の小学校、間近には福島第一原発の排気塔が見えます。6キロ先の福島第一原発で核災があって、2011年3月から時間が止まったままです。Après avoir été confronté à l'accident nucléaire en tant que premier ministre, parce que j'ai ressenti le danger dans ma propre chair, j'ai diamétralement changé d'avis. Et je considère maintenant qu'il faut sortir du nucléaire au plus vite. La centrale nucléaire, voilà, c'est un peu une bêtise pour l'homme. Ouais. Mais t'as quel âge ? 10 ans. Parce que comprendre un enfant de 10 ans, il y a des adultes de 60 ans qui ne le comprennent pas. Mais il y a quelque chose qui est terrible. Pour des gens comme à Fukushima, c'est qu'ils ne pourront plus jamais sortir du nucléaire. Parce que c'est fini. La porte, elle est fermée. Clac! C'est pire que la guerre. La guerre, on peut se sauver à côté. Mais les radiations, on ne peut pas y échapper. À cette époque, on pouvait aller à la mer. Regarde, le ciel est magnifique. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est priver les générations futures de leur liberté de choisir pour eux-mêmes ce que seront leurs valeurs et leur mode de vie. So this is the energy systems of today. The left side is a history, the 20th century energy systems on fossil energy. And over here we have the 21st century energy systems on wind and solar and biomass and the natural energy sources. Yeah, this is me. Wind is a future priority in Denmark. We think that we will have 50% wind power in the Danish energy system by 2020. Well, that's quite soon. Le fil rouge sur le bouton rouge et l'autre fil rouge sur le bouton noir. Voilà, inauguration de l'éolienne, de Joseph et de Mortagne, la première. Là, on va cueillir le vent. So I think energy is very closely connected to freedom. And private economy and freedom is also kind of contradictory in many ways. So bring back the energy to people and then we will have more freedom.